Mangez-dame. Bien-aimés, j'allons vous présenter le groupe d'invitation que nous attendons plus fort que ça. Nous te rendons toute la gloire, Elohim, pour ta présence. Et merci de nous conduire. Merci de nous assister ce matin. Et dans le nom de Jésus, que je vais prier. Amen. Amen. La Gazia Ziliwa, oh. Oh,
traduit ça en français. Ziliwa, c'est les féticheurs. Je suis régi parce que nous avons désarmé les mangeurs d'âmes. Ce jeune homme, il tuait avant, il était sorcier. Maintenant qu'il a été délivré. Vous voyez, donc, lui aussi était un grand sorcier dans le temps, aussi a été délivré. C'est-à-dire, c'est une victoire de Jésus sur le diable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? D'aller prendre les éléments de Satan, les envoyer dans le royaume et faire d'eux des annonceurs de l'évangile. Amen. 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 Les gens qui ont deuillé des familles, les gens qui ont détruit, qui ont même dissimé des familles, aujourd'hui, Jésus-Christ les a délivrés, ils font partie du royaume. Amen. Jésus. Amen. Amen. Et ils nous donnent tous les secrets de Satan. Parce qu'ils ont travaillé avec Satan. D'autres diront qu'il faut les tuer. Mais ils détiennent des secrets. Ils ont des choses comme secrets. En tant qu'ex-agent de Satan, ils ont des secrets. Or, quand ils sont délivrés, l'Église a le pouvoir de délivrer tout le monde. Parce que Jésus n'est pas venu pour les justes. Jésus même dit qu'il est venu pour les pécheurs. Nous sommes toujours en train de faire des procès, non, ce monsieur il doit être détruit, ce monsieur, oh, Jésus-Christ a fait à ceux qui sont mauvais, pas les justes. Alléluia. Amen. Ça va, Junior, ça va? On dit quoi avec ta nouvelle vie en Jésus? Je suis bien maintenant. Tu es bien maintenant? Comment tu sais que tu es bien? Parce que grâce à toi... Non, grâce à Jésus. Parce qu'il vit ta nouvelle vie en Jésus. Pas ta nouvelle vie en crasso. Oui. Grâce à Jésus, j'ai été délivré. Et qui dit grâce à Jésus, tu vas faire tout pour moi, tu fais tout pour moi. Je ne pas tout pour toi là. Ce qui m'intéresse maintenant, ce qui m'intéresse, ce que tu faisais avant là. Est-ce que tu arrives à refaire la chose? Non, je ne le fais plus. Tu faisais quoi avant? Je tuais, je gâtais la vie des gens. Et grâce à Jésus, je me fais. Ok, est-ce qu'on peut acclamer la même chose? Or, prier, c'est grave. C'est même violation de droit de l'homme. C'est-à-dire détruire la vie d'une personne. Or, l'homme a droit à la vie. Or, quand vous délivrez, vous arrachez entre la main de Satan un instrument comme ça, c'est une victoire. C'est pour ça que Jésus dit, quand un pécheur se convertit, le ciel est dans la joie. Amen. Quand un élément de Satan comme ça décide, au fait, sous la puissance de Dieu, se donne véritablement à Jésus-Christ, le royaume de Dieu est dans la joie. Amen. Vous le voyez, un jeu, il est un élément, un pion très dangereux pour le royaume de Satan. Satan l'a beaucoup utilisé pour la destruction des vies, et tout ça. Aujourd'hui, il fait partie du royaume. Nous sommes en train de l'encadrer. Je ne sais pas parce que je protège les sorciers, non. Mais je dis, un sorcier peut changer. Voici mon message, très fort. Et c'est ça le message de la Pâque. Nous allons célébrer la Pâque en rendant témoignage de la puissance de Jésus-Christ. Cette puissance qui délivre toujours les gens. Il peut même, de façon, de Jésus délivre une prostituée. De façon, Jésus délivre un voleur. De façon, Jésus délivre un bandit. Il peut délivrer un sorcier. Fait de lui une personne très utile. Et cette personne-là, lui, nous sommes en train de l'encadrer. Nous allons le suivre parce que nous allons le ramener à l'école. Nous allons l'amener à l'école, nous allons le suivre sur l'éducation. Pour que demain, que ça soit un passé. Que les gens constatent que c'est un passé. Et en Jésus, on le dit. Amen. Non seulement sur la guérison, il y a une éducation que Jésus a donnée maintenant. Désormais, ce jeune homme, il sera rééduqué. Il va voir maintenant un être humain comme une personne sacrée. Pas une personne à détruire. Et c'est ça. Amen. Amen. De la même manière que lui, il est devenu évangéliste. Aujourd'hui, il chasse les démons. Il chasse les démons. Les parents ne veulent même plus entendre parler de lui. Mais nous l'avons récupéré. Il a eu la formation. Nous continuons de le former. Aujourd'hui, il prie. Aujourd'hui, il délivre les gens. C'est pour dire qu'on peut partir de l'étape de la sorcellerie et sorcier. Et aujourd'hui, et Dieu peut nous utiliser puissamment. Amen. Amen. Vous voyez que nous décidons de marcher avec Jésus. Or, ceux qui ont refusé de se repentir sont morts sous nos yeux. Le dimanche passé, ils ont enterré un qui est parti. Mais il est mort. Et devant tout le monde, devant tous, à repos, il a dit,
Le jour où je retourne à la sorcellerie, il est comme enflé. Effectivement, il était enflé. On l'a envoyé ici pour dire non. Il faut faire des aveux. Malgré ça, j'ai négocié. Il ne voulait pas. Il est mort, je suis allé filmer son corps. Oui, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé et le moissonnera. Eux, si le jour, lui, il décide d'aller manger Chougouya, il va mourir. Elle est venue en Brésil, là. Le lui, il s'en va là-bas. J'ai une vidéo qui est postée sur le net, ça fait maintenant 2 ans, depuis 2012. Une dame dans un village qui est le village de ce. Parce que tu dis. Cette dame, on l'a délivrée. Elle était une grande sorcière, asseyez-vous. Et elle a décidé d'aller manger. C'est vrai qu'elles sont. J'ai dit que les sorciers ne changent pas. Si les sorciers peuvent changer, c'est une question de volonté. Amen. Amen. Le jour où j'ai décidé d'accepter Jésus, c'est sans repli. J'ai vu ce que Jésus-Christ a fait pour moi et c'est fini. La dame, lorsque je suis rentré dans le village, j'ai posé une action prophétique. Elle était chez elle, elle était dérangée. Pendant que tout le monde venait, elle était assise chez elle. Elle voulait. Quand je suis arrivé au seuil de sa porte, elle m'a dit, oui, je t'attendais. Je suis sorcière, mais est-ce que tu peux m'arracher ça? C'est tout ce qu'elle voulait dire, parce que c'est fort. Parce que c'est plus fort que nous, mais est-ce que tu peux me délivrer? Or, cette femme, elle a tué beaucoup. 270 personnes que cette femme en derrière, elle a tué des gens. Mais j'ai dit, si, Jésus peut te délivrer. Parce que Jésus qui est venu pour délivrer les gens. Alors, elle est venue faire des aveux. Elle a fait des aveux. Elle a dit, désormais, si je retourne à la sorcellerie, je n'ai qu'à m'enfler. Un mois après, elle dit, elle allait, elle se baladait avec un sachet d'acheté. Et puis on faisait époque au fou. Il s'est rendu dans ses narines. Dites, mais comment tu peux marcher avec Akeke où on fait pas au fou? Akeke s'accompagne à pas bien. Donc ils m'ont servi, ils disent, mais naturellement t'es servi puisque Akeke s'accompagne avec la viande. Quand j'ai mangé, c'est fini, je commence à m'enfler. J'ai dit, mais écoute, qu'est-ce que toi-même tu avais dit à Dieu? Non, s'il te plaît, j'ai dit non. Ce n'est plus à négocier. Parce que si on vous laisse, vous allez continuer. Elle était dans une bourrette. Bourrette, une vieille, elle a commencé à s'enfler, elle est morte. Rouraga vient de mourir. Et c'est pas lui seul. Tous ceux qui ont attaqué, qui ont voulu essayer, sont morts. Or, en quittant, c'est une grâce que Dieu fait, même au sorcier. Quelqu'un qui a endeuillé, qui a tué, je lui fais la grâce d'obtenir la vie. Mais il faut maintenir, il ne faut pas jouer cette grâce. Amen. Amen. Et la dame, elle est morte. Il a dit, moi, Dieu est en train de te frapper. Puis moi, je vais venir. Prends pour dire Seigneur, pardon, tu allais manger. Toi, tu te promènes à Kéké. Où on vend viande là, où on presse. C'est là que tu te promènes. Puis j'ai prié pour toi, tu vas chercher maintenant à Goudjama. C'était notre petit à Kéké, maintenant tu vas prendre à Goudjama. Sac dans Goudjama pour te promener, où on vend. Oui. Elle est morte. Quand j'ai fini avec elle, le lendemain, c'est fini, on l'enterre. Tranquillement et gentiment. Amen. Amen. Jésus est puissant. Je l'ai déjà plusieurs fois expérimenté et c'est pour cela que l'église que nous sommes, nous devons croire à la puissance de Dieu. Nous devons croire qu'il y a une autre puissance, une puissance au-dessus de la puissance de la sorcellerie et nous devons avoir foi en ça. Nous devons nous attacher à Jésus. Amen. Amen. C'est pour cela qu'un sorcier, il ne me dit rien. Amen. Amen. Il ne me dit rien. Le combat, tu l'as déjà, c'est-à-dire tu as déjà la victoire. Amen. C'est ça que mon Satan me dit. Quand vous étudiez la Bible, Jésus n'a jamais prononcé. Il a dit trois fois le malin, il ne dit pas le nom de Satan. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de Satan. Les gens ont peur du diable. Nous sommes au-dessus du diable. Amen. Amen. Mais pourquoi vous parlez de ça? Malgré lui, il est venu, quand il est là, ils vont m'attaquer. C'est de donner la considération. Or, quand on accepte Jésus-Christ, c'est la protection, ce n'est pas une question de trace. Jésus protège. Vous banalisez Jésus. Jésus, c'est pas un amusement. C'est ça que les gens viennent ici pendant que j'en ai prié. Ceux qui viennent essayer, Dieu les frappe. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, Dieu les protège. Or, si vous avez peur, c'est eux qui prendront le dessus. Or, là où on commence à avoir peur, il n'y a plus la foi. Vous comprenez? Amen. Amen. Il faut banaliser le diable. Satan qui me vêtu, je vais prier, tu es là. Je vais dormir, tu es là. Satan qui me vêtu. Comment tu peux changer comme ça? Je vais prier, tu es là. Ça veut dire que tu veux prier, Satan est là.
Je veux manger, tu es là. Je veux dormir, tu es là. Satan qui me veut. Tu sais pour te manger, je vais te manger. Dis quelque chose. Je veux prier, tu es là. Je veux dormir, que me veux-tu? Il va te manger. Satan doit avoir peur de ta présence. Amen. Amen. Non, la Bible dit, Saül avait peur de David parce qu'il savait que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Il avait peur de la présence de David. Pourquoi toi tu marches, Satan est là? Satan, que tu veux prier, tu es là. Je veux manger, tu es là. Je veux me laver, tu es là. Que me veux-tu? C'est pour te manger. Moi, je ne peux pas me suivre. Dans mon odeur, là, c'est amer dans ce narine. Hein? Je sais, il faut, par moment, il faut croire plus à la puissance de Satan. Et plutôt, oh là-bas, autant pour moi, oh là là. Satan, tu es vaincu, je t'ai fatigué. Il faut croire plus à la puissance de Dieu. Moi, je banalise Satan. Les gens croient plus à la force de Satan que Dieu. Moi, j'ignore Satan. Les gens ne considèrent plus les sorciers. Donc, quand il y a le village, ils vont m'attaquer. Il y a d'autres qui me disent, les pasteurs disent aux gens, ne partez pas en Afrique. Si tu vas au village, Satan va les sorciers vont t'attaquer. Mais c'est une manière de donner beaucoup de considération au diable. Or, Jésus-Christ a vaincu Satan. Alors, or, la Bible dit que ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais à mettre en pratique. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus a vaincu Satan, c'est dans la pratique. Si on te dit que les sorciers vont t'attaquer, toi tu viens sur le terrain. Or, tu as déjà la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible dit que ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à mettre la parole de Dieu en pratique. Moi, là où on me menace, là-bas, il m'en va. J'étais sur la chaîne togolaise, je leur ai demandé, il y a un vaudou qui est venu, qui était chaud chaud. J'étais en plein émission, il a dit d'arrêt, il allait chier. Excusez-moi. Amen. Je préfère dire ça pour que ça rentre ça du nez. Si il dit, mais allez aux toilettes, vous n'avez pas bien compris. Il allait chier. Amen. Amen. Là où tu es, Dieu te donne l'environnement, il te donne le territoire. Tu es maître de l'environnement. Tu es maître de ce territoire. Ce n'est pas Satan. Amen. Amen. C'est pour la peine de donner l'importance. Satan, que me veux-tu? Putain, mais tu chantes Satan, que me veux-tu? Monsieur, je vais manger, tu es là, tu viens. Je vais dormir, tu es toujours là. Que me veux-tu? C'est pour te manger. Il a préparé pour tout et sans s'arracher. Il a fait marcher. Moi, il a dit Satan. Et Satan a le temps de me suivre. Tu as le temps de me suivre. Ah, tu as peur. Parce que dès que tu. Dieu te frappe. Que Dieu nous aide. Amen. À mon seul. À mon seul. Amor, 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 amor,
Thank you.
Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il y a quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il y a quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Aïe, Jésus, aïe, que mon Seigneur l'a voix.